Cécile aurait entendu des musiques célestes, ce qui en fait la patronne des musiciens. Nous avons les musiciens parmi nous. Et nous accueillons aussi avec joie Madame Irène de Fabrègue, qui célèbre ses 100 ans aujourd'hui. Nous pouvons applaudir pour elle. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Alors aujourd'hui, cette messe était un peu spéciale parce qu'elle était très musicale. Alors c'était parce que c'est la Sainte-Cécile et que la Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens. Oui, exactement, c'est ça, ouais. Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens. Sainte-Cécile est ici d'une illustre famille romaine. Donc elle est vénérée comme martyre et vierge depuis le 5e siècle. Donc c'est la patronne des musiciennes. Et chaque année, à sa date d'anniversaire de fête, donc le réveil chronotéralais vient animer la messe. Et nous avons célébré ce soir une messe très 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 joyeuse. Et il y avait beaucoup de monde. Alors c'est original, une banda dans une église. Alors c'était extraordinaire parce que l'acoustique allait très bien avec votre style de musique. Mais c'est des petits morceaux solennels, donc l'église c'est bien, ça a une belle résonance, ça, et puis ça porte la musique, donc et puis ça fait plaisir. Alors, au niveau de l'émotion, est-ce que le fait d'être dans une église, ça change tout ? Ah oui, totalement. On vit la musique, c'est vraiment, ça prend. On a tous été émus à la fin, vraiment. C'est chouette. En plus, on a réussi le pari, donc c'est encore mieux, quoi. Ça se voyait. Et puis alors, le père est très content. C'est bon, on a gagné. Non, le père Léon et le père, ils sont très, très bien. Et, d'ailleurs, il y en a un des deux qui adore la corrida et il nous le fait savoir chaque fois. Donc voilà. Et voilà, c'est fait. C'est une chose qui est importante pour le réveil, la Sainte-Cécile. Donc voilà, maintenant... Et le fait que ce soit la patronne des musiciens, ça fait quelque chose pour vous ou ça pas... fait quelque chose, je ne l'ai pas connue, donc...
Je ne l'ai pas connue. Mais... Ah oui, je croyais que tu avais mangé avec elle hier soir. Mais c'est sympa, c'est un peu comme la Sainte Barbe aux pompiers, et pour les gendarmes et tout. Donc c'est une sainte patronne, ça se fête et puis c'est important, quoi.